Vacances pour inviter les amis. Ouais, allez, rentrez, rentrez. Plaisir, hein. Merci beaucoup. Je vais fermer la porte. Yop, là. Bon, bah, asseyez-vous, hein, je vous en prie. Merci. Voilà. Merci. Ah, je vais peut-être vous servir un petit truc quand même. Avec plaisir. Ouais. Vous voulez quoi, de l'eau? Bah, écoute, je suis un peu plus tard. Ouais. Je vais voir ce que j'ai. Pour discuter, de toute façon. Je voulais vous parler d'un. D'un projet, mais. Finalement, en fait, je me suis dit que non, ce serait pas la peine. Oh, pas mal. Comment ça, c'est pas la peine? Bah, finalement, j'ai abandonné mon projet. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pas annuler votre visite, quoi. Bon, écoute, ça suffira. Oui, ça va, bien, bon, merci. Parfait. Allez-y, servez-vous. Merci bien. Allez-y, servez-vous, hein. Faites ce que vous voulez. Tiens, tu veux de l'eau? Ouais, avec plaisir. Le voyage m'a donné des grandes soif. Moi aussi. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez là en tout cas. Ah bah écoute, merci. Elle était contente de venir. Ouais. Bon bah, notre temps passé ensemble alors. Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais t'es vraiment. Voilà. Vraiment trop. Mais tu sais pas ce qu'on raconte à propos de la légende? Non. Une légende? Cette légende raconte que si tu ne bois pas après avoir trinqué, une malédiction éternelle s'abat sur toi à partir du samedi suivant. Mais je le savais même pas, et en plus, c'est une légende, quoi. Justement, c'est une des conditions. Si toi, ou Solène et moi, on connaît la malédiction, eh ben, elle va s'abattre sur toi. Enfin, tu m'as compris? Ah! Ça, c'est que des mensonges, ça. Vous pouvez trinquer comme vous voulez, ça, c'est que des mensonges, hein. Bon, bref. Bah, sinon, tu vas faire quoi de tes vacances? Jeff? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances? Bah, randonnée, probablement. Très intéressant. Je suis sûre que ça te préoccupe, cette histoire. En tout cas, moi, ouais. Ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir la sorcière Epita, qui peut probablement remédier à ta situation. Epita, tu dis? Exactement. Bon, allez, sinon on va devoir y aller, hein. Bah ouais, on n'est pas venu ici pour être là, hein. Quoi? Déjà? Bah ouais. Mais c'était hyper court. Préoccupation professionnelle. Désolée. T'en perds ton latin. Exactement. Bon, allez. Bon, bah écoutez, au revoir, hein. Je ouais, t'embrasse quand même. Ouais, j'espère qu'on se revoit vite. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Bon, bah à plus yes. Alors. Hein. Allez vous incruster chez les gens. Voilà son adresse, c'est là que je la trouverai. Thank you.
Tire la bobinette et la chevillette, chéra. Beau, Jeff Beau, j'ai récemment pris connaissance d'une certaine malédiction. Stop, je sais. Tu veux t'en débarrasser, c'est ça? Exact. Il te faudra suivre ton instinct et trouver la pierre philosophale. Et suivre le rite suivant. Le rite marqué sur la feuille? Oui, c'est cela. Et c'est tout? J'ai pas un azimut, j'ai pas une direction ou quelque chose, rien? Passe par ce portail. Mais comment se faire confiance? Passe par ce portail. Et la voiture avec laquelle tu es venue, elle va... Veux-tu te délivrer de cette malédiction ou pas? Oui. Donc, passe par ce portail. Toujours rien sur la carte. Toujours rien sur ma main. Bon, on va sur quand même. Hein. Suis mon instinct. Reste toi-même. Comme un tombeau, tu as violé une autre passion. Comme bien souvent, on ne te lava pas en piscine. Et seule la pierre philosophale, trésor des chutes. Te délivre. Suis ton instinct. Reste toi-même. Suis ton instinct. Reste toi-même. Ça va être un peu d'entretien tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit, Maca? Toujours rien, comme par hasard. Source d'informations dangereuses, certes, mais efficace.
serviette. Allons trouver ce cornaluc qui m'aidera à sortir de ce monde. Comme toi a besoin du trésor des... Luquette. Oui, c'est ça. Tu sais pour m'aider? Bah, je suis plus là pour ça. Toi aussi, c'est cette tradition? Non, mais si toi, oui, je te rappelle que demain, on sera... Suis-moi. Où va-t-on, monsieur Cornaluc? Là. Tu te mets là, je me cache là. Le trésor des chouquettes est là. Toi, tu pousses des grands cris pour les attirer. Moi, profitant de l'effet de surprise, je les mets KO. On récupère le trésor et on s'en va. Ok, bien compris, chef. Ici la place. Je me cache là, toi tu te débrouilles pour les faire passer pas loin de moi. D'accord. Pourquoi? T'as été là en même temps. La feuille d'Epita, c'est maintenant ou jamais qu'elle se rend utile. Et bien voilà, elle me marque quelque chose. Je vais suivre une instruction. Ouvrez le coffre. Ah, la pierre philosophale est accrochée elle aussi. La carte me dit encore quelque chose. Il faut protéger la pierre de la lumière directe, de mettre dans ma main. Seul un profilet peut la détacher. Avec son miroir, par exemple. En effet, je peux la prendre maintenant. Vite, me cacher, je chercherai plus tard comment partir avec le pied. L'endroit idéal. Oh non, elle me rattrape déjà. Thank you.
que je me suis fichu là-dedans. Non. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah mais c'est chez moi. Ah mais ça a marché le rite là, le truc là. Ma voiture. La voiture est là.